C'est pour rendre hommage aux vitraux Tiffany que nous avons choisi « To be Song of a Summer Night on the Water » du compositeur anglo-allemand Frédéric Delius. Sa musique post-romantique met la couleur au premier plan et s'inspire du monde naturel. L'ambiguïté de l'harmonie, la souplesse tout aquatique de la musique et la sensualité de ce kaléidoscope sans parole fait écho au jeu des couleurs qui emplit la salle vers midi. Construite dans le quartier surnommé Mille Carrés, à l'époque le plus riche du Canada, l'architecture de l'église Erskine est inspirée par les réalisations de l'architecte américain Henry Hobson Richardson, avec son style néo-roman caractérisé par la pierre calcaire, les arcs, les colonnades et les petites ouvertures. En 1925, l'église Erskine rejoint la United Church of Canada. Puis, en 1934, l'église Erskine United fusionne avec une autre communauté presbytérienne, l'église American Presbyterian. En 1937, la nef est complètement réaménagée par l'architecte d'origine écossaise Percy Erskine Knobbs. La salle est alors réorientée vers le chœur, qui se trouve à l'emplacement de la scène actuelle. Désacralisée en 2004, l'église Erskine and American est achetée par le Musée des beaux-arts de Montréal en 2008 afin de l'intégrer au complexe muséal, puis, suite à d'importantes rénovations, de transformer la nef en salle de concert. Un orgue de chambre de 12 jeux, réparti sur deux claviers et un pédalier, construit en 1970 par Helmut Wolf et restauré en 2011, est intégré à la salle. L'inspiration byzantine de la nef originale se reflète toujours à travers ses nombreuses dorures, son balcon ondulé et ses bancs, de même que sa coupole. Mein junges Leben hat ein Ende, Ma jeune vie a une fin, est l'une des compositions pour clavier les plus connues du compositeur baroque Jan Peter Zuhn's Feeling. Les 6 variations illustrent musicalement les différentes étapes de la vie. La grande palette de sonorités des tuyaux d'orgue, sombre ou flamboyante, naturelle ou composée, évoque le mélange des couleurs d'un tableau ou la polychromie d'un vitrail. Située au cœur du Musée des beaux-arts de Montréal, dans le pavillon d'art québécois et canadien Claire et Marc Bourgie, la salle Bourgie, inaugurée en 2011, peut accueillir 462 spectateurs, dont 329 au parterre et 133 au balcon. Son environnement sonore a été conçu selon les plus hauts standards acoustiques de notre temps. Et elle accueille aujourd'hui plus de 150 concerts chaque année.